Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc, on doit être mardi dans l'après-midi. Je sais pas exactement quelle heure il est finalement. Se trouver 16h, un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas exactement. Donc, en fait, bah, j'ai joué un petit peu. J'ai joué ce matin et puis j'ai joué. Après-midi, donc après-midi là, et donc en fait, et donc bah là je suis donc dans le pour la quête de l'hôtel de ville. Alors j'ai monté de niveau, donc je vais vous montrer. Et puis bah là je viens de récupérer, en fait je suis dans le bureau du Mersten. Donc là j'étais en train de regarder sur le terminal du Mersten. Et donc en fait donc j'ai monté de niveau, je suis niveau 4. Donc je suis niveau 4. Donc voilà. Donc je suis niveau 4 depuis cet après-midi là, en fait ça fait une heure à peu près que j'ai monté de niveau. Donc j'ai rajouté mes 13 points. En fait j'ai dû monter en fait la science à 50, parce que comme ça en fait par exemple pour le robot en fait au casino Vicky Evans, comme ça en fait ça demandait en fait une capacité en science de 50. Donc en fait voilà. Et puis niveau 4. Donc maintenant je suis en fait au grade de vagabond. Et donc là bureau du Mersten. Donc en fait donc retour, continuer. Et donc en fait alors là, je suis à 1296 sur 1700, donc à la limite, je vais viser également le niveau 5, hein, à force. Les objets, j'ai récupéré pas mal d'objets là dans son bureau, en fait. J'ai dû récupérer le grand livre des sciences. Donc en fait, ça c'est. Pour monter les compétences, et que ça, peut-être, hein, je sais pas exactement, ça se trouve c'est plus que les magazines, ça se trouve c'est les livres de compétences ou des trucs comme ça, donc faudra que je vérifie exactement. Et puis en fait, bon, j'ai récupéré pas mal de petits trucs en fait, ok. Et là, donc en fait, donc en fait, je suis en train de faire cette quête-là. Donc ne quittez pas le trophée des yeux, menez une reco à l'hôtel de ville de Nipton pour le Ranger Ghost. Donc, ok. Et en fait, ça, c'est ce qui m'a permis de monter niveau 4, en fait, d'exterminer, en fait, éliminer les bestioles au lac Ivanpa. Donc en fait, je les ai éliminés pas mal à la dynamite. Et donc ça m'a permis, je suis retourné voir, là ça fait à peu près une heure. Et en fait, je suis retourné donc voir le Ranger Jackson à la caserne, à l'avant-poste, au Moyave Outpost. Donc ok, donc là ok, ne quittez pas le trophée des yeux, donc menez une reco à l'hôtel de ville. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vais pouvoir me remettre en fait sur le terminal du maire, et puis bah vous montrer en fait ce qu'il y avait à peu près, ce qu'il y avait un peu de marqué sur son ordinateur. Donc je viens d'être approché par un jeune homme pour le moins sérieux, se faisant appeler Monsieur Fox, Mr. Fox, c'est ça, prends-moi pour un con. Une fois seul avec lui dans mon bureau, il m'avouait faire partie de la Légion de Kaysar. Ok. Capsules. Ouais, bah c'est ça, 8000 capsules.
Mère Joseph Besten. Et puis en fait, après, bah, j'ai regardé un petit peu dans tous les trucs. Mutinerie, gros joueur, j'ai regardé un peu tout ça. Il y aura même des tours gratuits avec les filles, et bonnes soirées. C'est sûr, c'est. Bon, c'est un peu le système. D'ailleurs, oui, c'est son système d'exploitation. Donc. Voilà, ça a l'air d'être surtout des livres abîmés. Verrouillé moyen. Ouais. Bah, je me suis rajouté du crochetage. En fait, j'ai dû me rajouter du crochetage de 17 à 20. Il me restait 3 points, en fait. Ouais, c'est pareil. C'est le bureau du maire. Là, c'est bête parce que j'ai dû briser la serrure tout à l'heure en voulant ouvrir. J'ai dû la forcer et la briser, donc. Ok. Bon, là, c'est le bureau de Sten. Alors j'ai tué les molosses en fait à la dynamite. Et ils m'ont tué, mais j'ai fini par les avoir à la dynamite.
Ouais, ça se trouve, c'est la serrure que j'ai brisée, si ça se trouve. Alors, c'est tuant. C'est très embêtant parce que ouais, ça se trouve c'est cette porte là. L'ouvrir nécessite une clé. Ouais, alors je vais pas m'amuser à chercher la clé. Alors c'est chiant. Ouais, ok. Ça se trouve, je vais pas pouvoir faire la reconnaissance complètement. Parce que si je peux pas ouvrir les portes. Salle de réunion. C'est là que ça redescend. Ok. De Sten. Voilà, situation embêtante. De la dynamite. Non, il doit même pas m'en rester, ça se trouve. Donc là. Ouais, il doit pas m'en rester quoi. Arme. Ouais, je me suis pris un fusil à grenade, mais couteau, fusil. À la limite, le coup de poing américain peut-être. Ça fait quand même 15 de dégâts, mais ça va pas être suffisant contre 3 ou 4 molosses. Et j'ai plus de dynamite. Donc là. Voilà quoi. C'est eux qui vont faire la loi. Y a pas de problème. C'est bourré de chien. C'est bourré de chien.
C'est bourré de chiens. Et j'ai plus de dynamite, donc c'est pas la peine que je pense à faire quoi que ce soit. Alors la sortie, elle est où? La sortie est où? Ça se trouve, si je peux rentrer là. Ouais, ouais, ce serait cool, hein. Voilà, merci. Voilà. Carte du monde. Ok. Est-ce que je peux me téléporter? Impossible depuis ce lieu. D'accord. Impossible depuis ce lieu. D'accord. Ok, d'accord. Donc, ouais. Va falloir que je ressorte. Là, les chiens sont là, non? Ouais, c'est... Bon bah en fait j'aurais fait une vidéo spéciale à me faire dézinguer par les chiens, c'est bien. C'est bien, bonne vidéo quoi. J'ai une bonne, j'ai bien fait de me la mettre. Parce que bon, finalement ça aurait manqué à ma série quoi. Alors, où est la porte de sortie? Peut-être là. Voilà, peut-être là. Ouais. Ouf. Bon, bah finalement la reconnaissance, bah en fait Nipton Hall. Donc finalement la reconnaissance, bah en fait je l'ai pas faite quoi. C'est-à-dire que c'est pas validé, la quête n'est pas validée. Hein. Je pense que j'ai dû péter la serrure. Donc mener une reco à l'hôtel de ville de Nipton pour le Ranger Ghost. Donc c'est pas fait. Faudra le refaire et ça se trouve avec les clés, va falloir avoir du crochetage, des clés, des machins, ça va pas être évident. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mais en fait là, je vais aller dormir en fait. Je vais aller dormir dans une maison, c'est là en fait, c'est dans cette maison là que j'ai dû dormir tout à l'heure, parce qu'en fait j'avais dû tuer le scorpion, mais il m'avait en fait enlevé pas mal de points de vie, donc j'ai été dormir là en fait. Donc là je vais le refaire, ça comme ça ça répare les points de vie. Hop. On va dormir voilà 7h 6h 6h.
Voilà, on devait réparer. De toute façon, ça tombe bien parce que en fait, on doit être mardi. Donc, on doit être mardi. Hein. On doit être mardi. Alors là, on voit qu'en fait, on est passé en novembre. Donc, on voit qu'on est passé en novembre. Hein. Et finalement, là, bon, en français, par exemple, ça pourrait être le 11 mai 1981, par exemple. Et en fait, ça doit être le 5 novembre. C'est en anglais, on avait vu, en fait, avant, c'était le 10. En fait, dans mes premiers épisodes, on peut vérifier, ça doit être le 10. Donc, ça doit être, en fait, en anglais, il faut savoir qu'ils mettent le mois en premier. Donc là, en fait, ça devait être 10. Donc, et en fait, en effet, Fallout, ça commence en octobre. C'est en octobre qu'il y a, en fait, c'est le 23 octobre 2077 qu'il doit y avoir le nuclear war, donc la guerre nucléaire, et en fait c'est 200 ans après, donc 2277, et pour Fallout New Vegas c'est 2281. Donc là on doit être en 2281, le 5 novembre 2281. Donc, mais en fait aujourd'hui on doit être le mardi 29 mai ou 30 mai, 29 mai je crois. Donc annulé, ok. Bon bah voilà. Donc Bigle. Ok. Alors ce qu'il y a, c'est que bon, alors bah quoi que là, j'ai récupéré quand même un. J'ai dû récupérer un. Crimson Caravan, ouais, mais ça je vais pas le faire là. Ouais, mais ça, je vais pas le faire non plus, parce que c'est aller refouiller dans. Je vais pas le faire tout de suite, ce serait aller refouiller, à mon avis, au Bison Steve. Donc, je vais pas le faire maintenant. Donc, là, je suis à 1300, donc. Voilà quoi. Donc en fait, bah, de toute façon, plus je monte de niveau, plus ça doit me rajouter quand même des points de vie, etc. Donc là. Spécial. Endurance. Alors, en matière de points de vie. Une endurance élevée offre des bonus en matière de points de vie. Ouais, bah, c'est clair que l'endurance, il faut. C'est clair que c'est important, quoi. Alors là, ouais, je me suis rajouté 3 points crochetage. Donc séance, je suis à 50. Je me suis mis à 50. Donc voilà. Alors là, ok, là je me demande s'il n'y a pas le sbire là qui. Non, ça va. Niptan. Donc là, où on est exactement? Ouais, bah là de toute façon c'est bon. Ça c'est ce que je voulais. Ça c'est ce que je voulais obtenir en fait. Alors en fait, mon chien en fait, le mode que j'ai mis sur Nexus Mode, en fait sur le Pitbull, en fait c'est un mode qui rajoute deux Pitbull au jeu.
Et donc, en fait, que je vous ai mis, en fait, vous pouvez regarder dans les premiers épisodes de ma série sur Fallout New Vegas. En fait, donc, normalement, c'est un mode. Alors, je sais pas s'il est bien installé, justement. C'est pour ça que je voudrais voir. En fait, donc, c'est un mode qui rajoute deux, parce que normalement, il fallait le rajouter dans les fichiers, etc. J'avais dû vous le montrer sur mes premières vidéos, sur mes premiers épisodes de ma série Fallout New Vegas. Donc, et normalement, c'est un mode qui rajoute deux pitbulls, donc un pitbull blue, donc bleu, en fait, qui doit être Denver. Donc, le nom du pitbull, ça doit être Denver. Et en fait, il doit être près du NER, c'est marqué NER, donc N-E-R, donc près du Mojave Outpost. Donc, en fait, il doit être par là. Mais en fait, le Mojave Outpost, en fait, si on veut aller plus, en fait, si on veut sortir dans cette direction-là, pour continuer par là, en fait, ça nécessite une clé et j'arrive pas à trouver qui possède la clé. J'ai demandé à tout le monde, en fait, j'ai demandé à tout le monde et j'arrive pas au sergent qui est, en fait, qui est à l'avant-poste de Mojave, etc. J'ai demandé un peu à tout le monde. Et en fait, j'arrive pas à trouver qui a la clé. J'ai essayé de regarder un petit peu. J'ai essayé même de leur faire les poches, etc., en me mettant en machin. Mais en fait, ils ont pas la clé. J'arrive pas à la trouver. Et donc, là, en fait, apparemment, il y a pas de chien. Donc, il y a pas de pitbull bleu de Denver. Et donc, par là, en fait, j'ai essayé de contourner, mais en fait, c'est pas évident. Donc, voilà quoi. Et autrement, il y a un deuxième pitbull qui doit être vers Novak. Novak, ça doit être plutôt en remontant comme ça là. Donc, et là, c'est un pitbull en fait, Moodskin, Red, etc. Donc, plutôt rouge en fait. Et là, c'est le pitbull rouge Blaze, je crois. Et le pitbull bleu Denver. Donc, voilà, je verrai ça dans les épisodes après quoi. Là, à la limite, si je peux tuer, en fait, parce que bon, ça rapporte un peu des points, donc, en attendant, de toute façon, je suis à 27 minutes, donc, c'est une vidéo, comme ça m'aura permis d'archiver le niveau 4, hein, parce que bon, là, j'ai un peu joué, j'ai joué pas mal aujourd'hui, donc, ça m'aura permis de monter niveau 4, Ok. Oh, plusieurs. Voilà, là je suis un peu crevé. J'arrive plus trop à bien les viser. Ah, ils vont me tuer. J'ai usé mes munitions, c'est ça qui est cool en plus. Ouais, voilà. Hop là. Bon, là, je suis bien crevé. Bah, système d'exploitation hein, comme sur les terminaux. Hein, ordinateur. Donc, voilà, je repars avec mes points de vie. En fait, je pense que là, ce que je vais faire là, c'est qu'en fait, à mon avis, je vais me téléporter, ça sert à rien de... faire un déplacement rapide. Ça sera... Normalement, ça doit être mon épisode 21. Donc, mes stats, 296, ok. Carte du monde. Où est-ce que je me téléporte? Station de patrouille des autoroutes du Nevada.
On marque quoi, ouais, je peux me téléporter là et puis remonter, aller au camp, au temple de la RNC, donc New California. Normalement, là j'ai tué parce qu'en fait j'ai dû tuer les deux filles qui étaient dedans. Et puis il y avait un gars, il devait y avoir un gars à l'extérieur, j'ai dû le tuer également. Donc normalement, il n'y a personne pour m'embêter. J'ai dû les tuer en fait. Ouais. Donc voilà. Membre du gang des Jackals. Donc je l'ai tué. Et j'ai fouillé ses affaires. C'est une minute. J'ai juste le temps de rentrer. Au temple de l'armée en fait de New California République. Et puis je vais me déconnecter là, ça fera mon épisode 21. J'aurai archivé mon niveau 4. Bon voilà, de toute façon je peux rengainer. Hein. Mettre là. Bon, je vais faire une petite sauvegarde. Bureau de Sten. Sauvegarde. Hop. Donc, voilà, je suis à 32,46. Sauvegarde. Donc là, je suis, c'est compté comme prime. Donc bureau de Sten. Alors temps de jeu 0,19. Là, voilà. Donc niveau 4, je suis niveau 4. Niveau 4. Donc ça correspond à Vagabond et je pense que c'est une réputation neutre. Bah en fait je vais arrêter la vidéo là, ça doit être mon épisode 21. Donc salutations chers youtubeurs.